Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour ce nouveau peut-être let's play sur Far Cry 3 Blood Dragon. Alors qu'est-ce que c'est que Far Cry 3 Blood Dragon? C'est un standalone qui est sorti le 1er mai, donc aujourd'hui où je tourne, ou peut-être hier si j'envoie la vidéo demain, enfin à voir, qui est sorti très récemment, qui coûte 15€ et qu'il est possible de jouer sans avoir Far Cry 3. Donc là, comme d'habitude, ça nous indique que les serveurs sont au tas, hein, comme à chaque fois, à chaque début de lancement de jeu. Et c'est un jeu... What the fuck? J'aurais tendance à dire, j'ai même pas mis le timer, voilà, je le mets. C'est un jeu what the fuck, j'ai encore pas joué du tout, j'ai juste lancé le début pour calibrer l'audio en espérant que ça soit bien fait. Donc je vais tout découvrir avec vous. Apparemment, c'est un jeu qui est très axé années 80. Et apparemment, c'est vraiment pas mal, vraiment drôle, donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Là, la partie, c'est seulement celle pour les tests audio. Donc, on va en refaire une, lancer une nouvelle partie, sélectionner avec le menu très rétro, hein, très bon. Donc, ouais, on va l'écraser. On va se mettre en normal, comme d'habitude. Et on est parti. Alors, ça fait vraiment bizarre de... Les accessoires vont sur vos armes, d'accord. Ça fait très bizarre de voir un jeu de maintenant avec des trucs un petit peu à l'ancienne. Enfin, clairement à l'ancienne. Genre le menu et tout. L'espace. J'ai mis les sous-titres pour que vous puissiez lire si jamais c'est pas assez fort. Dans un futur proche, à la fin du 20e siècle. Ça veut quoi si je fais entrer? Oh, ça met le jeu en pause, excellent quand même. Excellent. Planète est en proie à une guerre nucléaire. Des cendres radioactives de l'Amérique du Nord naît une nouvelle race de soldats. Avec date musique. On est vraiment dans le rétro là, c'est énorme. Cortex opérationnel. Onde θ à 4 pulsations en hausse. 4,6 maintenant. Ça marche. Passez en déclin. Gardez-le sous 0,5 pulsations. Organe moteur. Oh, les effets. Le cyberguer va à 130% de ses capacités. C'est un costaud. Téléchargez le programme. Le programme. Bon retour parmi nous, sergent Rex Power Colt. Vous êtes un type 4 désormais. Sergent Rex Power Colt. Mi-machine. Mais 100% cyber commando. Ouais. On se réveille, princesse. Central dit qu'il y a un décalage dans ton alim, et il veut recalibrer ton cyber-Q. Moi? Bah, ouais. En tout cas, moi je suis parfait, mon pote. Il y a des mecs qui rêveraient d'être comme moi. Et toi, les mecs, c'est ton truc. Ouais. Avec le temps de pause à chaque fois et tout. Téléchargement des ordres de Briar Patch. Paramètres de la mission. Pénétrer le bunker de l'ennemi et télécharger les données de ses opérations. Force létale activée. Menace de secteur noir. Je répète, menace de secteur noir. Restriction de la Convention de Genève levée. Lieutenant, à quels enfoirés on a affaire? Ah, je peux pas te dire, sergent. Mais secteur noir, ça peut signifier qu'une chose, des forces armées. Secteur ouest, c'est de la balle. Et pas une bonne nouvelle, Spider.
Alerte. Réseau de télédétection laser repéré. Hélidrone 7-3 hors vecteur furtif. Évasion. Donc on a un bras en fer ou métallique bizarre apparemment, ce que je vois là. Ça veut dire ce que je crois que ça veut dire. Exactement comme cette chose en Amérique centrale. Ça veut dire ce que je crois que ça veut dire. That ending. Ok, alors attends. Ok, on peut tout défoncer avec ça. En mode musique d'il y a 1000 ans. C'est stylé. Allez, on défonce tout. Ok, on fait tout péter. Oh, il est pas mort. Un hélico. Ouh. Allez. Je fais tout péter. Apparemment, je sais pas, c'est des robots, c'est... Ça va d'être des robots. Je peux tout faire péter là ou pas? Ouais, si. Moi je pète tout. Là. Hélico. Aïe. C'est énorme. Je dois aller faire mon boulot. J'ai trouvé l'entrée du bunker. Et je vais attirer leur attention. On va leur montrer de quoi sont capables des cybercommandos. Façon type 4, enfoiré. Yeah. Un vrai mec qui sent la sueur et tout. Oh, le zoom. Eh, bah tes couilles. Pardon. C'est énorme. Oh yeah. Excellent. Bon alors ce let's play, amis, sera destiné surtout à ceux qui ont vu mon let's play Far Cry 3 du coup. C'est pas du tout la suite, mais voilà, c'est la continuité. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est pas la suite mais c'est la continuité, c'est plutôt pas mal. Donc ceux qui n'aiment pas Far Cry et tout, bah écoutez, voilà, tant pis. Mais en tout cas il y a moyen de triper je pense sur celui-ci. Ah. Rex Power Colt. Donc là on est plus du tout en mode pixel là, hein. Là c'est stylé. Pour les nuls. Pour approche silencieuse. Espèce de connard. Éclate-toi bien. Pièce sur entrée. Vous voyez que vous savez lire. Oh, c'est pas vrai, merde. Sautez, si le cœur vous en dit. Hein. D'accord. Excellent, il nous explique quoi ça veut dire quoi. Accroupissez-vous pour vous baisser. Vous fonctionnez vos quadriceps et stimule votre sens de l'équilibre. Allez hop. Laissez-moi tuer des gens, bordel. Pour regarder autour de vous, regardez. Fait fonctionner l'un de vos 5 sens essentiels à vos déplacements. C'est vraiment pas cool. Déplacez-vous pour explorer un tas de directions excitantes. Oh merde, j'ai pas pris le temps de lire. Bon, attends, hop. Courir consiste à marcher, mais plus vite. Masse G. Ah oui, d'accord. Oh, c'est quoi? Ciel vous empêche-t-il de semer le chaos? On doit aller là-bas, je pense. Attendez, je vais juste regarder 2 minutes. Voilà, on a un bras bionique. L'eau. Bah, c'est comme, Far Cry, quoi. Bien fait. Les trucs, les herbes sont bien faites. En fait, ça va être stylé, quoi. Ça va être stylé. C'est vraiment... Et j'aime même parce qu'il y a les petits effets de rayures horizontales. Genre vieille télé et tout. Oh, putain. Oh, on a un espèce de jump. Attends, hop, c'est... Tuez un ennemi avec votre lame en le prenant par surprise. Ok, c'est F, je suppose. Tant que vous n'êtes pas repéré, les ennemis ne peuvent pas vous voir. Mais vous permettant de les tuer par derrière en appuyant sur F. Ok. Hop. Ah, ça c'est pareil qu'avant. La même marquez vos ennemis animation. Pour les suivre plus facilement. C'est quoi, c'est... Attends. Qu'est-ce que j'ai fait là? W pour cyberaille. D'accord. Ça c'est notre appareil photo, pour ceux qui se rappellent en gros. Très bien. Détournez la
l'attention des ennemis embusqués grâce à votre dé. Gros geek. Le dé attenté, c'est votre dé porte-bonheur en appuyant sur T. Pas bien. Alors, on lance notre dé comme un gros geek. Et on va le ouned par derrière. Tel un hibou masqué. Hop là! Et on se raccroupit. Eux pour chaparder. Je te couvre, mon frère. Bien, mon frère. Oh! Excellent! Est-ce que je peux chaparder tout le monde? Je peux te chaparder, toi? Non. Éliminez tous les cyber-soldats! Comment je fais? Sans armes, là, comme ça? Bah, je vais lancer un dé, hein. Après une élimination à la lame, vous pouvez effectuer des éliminations enchaînées. Cette cuisine, on est d'accord, ok. Hop, hop, donc tac. D'accord, très bien, j'ai fail. Oh. Maintenir. Ok, j'ai fait de la merde. Bon, ok, c'est pas grave, allez, faut que je reprenne les trucs, là, je suis plus tout dans le délire. Plein de choses, ok. Oh, je suis revenu au départ. Ah ouais, quand même. Très bien. Je suis pas du tout blasé. Alors, on va essayer de rusher ça. Tuer un ennemi avec votre lame. Ah non, mais ça, je sais déjà, ça. Oui, d'accord. Oh non, c'est pas cool. Hop. On chaparde. Marquez vos ennemis pour les suivre plus facilement. Maintenir eux. Oui, d'accord. Je l'ai pas fait tout à l'heure. W. Par contre, la sensibilité est un peu forte. Oh non, il va essayer de se connecter. On va attendre, hein. Ouais, la sensibilité est un peu forte. Faut que je la baisse pour pouvoir être plus précis. Voilà. Option. Jouabilité, réticule et de la visée. Gna gna. Ouais, d'accord, mais c'est pas ça que je veux, moi. Commande. Voilà, sensibilité du regard. Je vais baisser un peu. Vibration, scroll personnalisé. D'accord. Non, je regarde juste s'il n'y a pas le FOV. Ok. Retour. Voilà. Est-ce que là c'est. Ouais, c'est un peu moins sensible. W. On marque tout. C'est vraiment une ambiance très spéciale mais très sympa. Hein. Détournez l'attention des ennemis embusqués grâce à votre dé. Gros geek. Gros geek. Allez-y, tiens, envoie ton dé. Tac. Spider, ces types, c'est l'Oméga Force. Tu as un mauvais pressentiment sur cette affaire. Te couvre, mon frère. En fait, il fallait que je fasse D, tout à l'heure j'avais fait Q en fait. À la lame, vous pouvez effectuer des éliminations enchaînées. Voilà. On les dépop. Par contre, on va essayer de pas mourir dans le feu. Voilà, hop, on lui prend le cœur ou l'espèce de machin qui lui ressemble. Genre, je prends feu en étant métallique. Enfin, une partie métallique. On va juste prendre. J'espère vraiment que ma voix est assez forte. C'est quoi ça? C'est des coffres ou absolument pas? Absolument pas. Bien. Alors. Grimper pour monter. Sans déconner. Chargement des astuces d'entraînement de l'ABC de la guerre. Lol. La jauge de détection apparaît quand les ennemis peuvent vous voir. Elle se remplit quand les ennemis commencent à vous repérer. Elle se met à clignoter une fois que vous avez été repéré. Pièce sur D pour... D. Pièce sur gauche pour tirer avec votre arme et sur machin pour aller dans le viseur. En fonction des armes, les types de tirs sont différents et peuvent être modifiés avec les accessoires. En regardant dans le viseur, vous effectuez un zoom avant et vous êtes plus précis. Sans déconner. Ces acticiels vous sont offerts par le cyber lubrifiant Kobayashi. Le lubrifiant de votre futur. Utilisez les objets et l'environnement pour vous mettre à couvert. Grenade, appuyez sur un pour machin. Pouvoir maintenir, d'accord. Très bien. Putain.
Chabardage. Marcher sur les cadavres de marcher sur les cadavres les débarrasse automatiquement de leurs munitions. Pour les crédits, vous devez fouiller leur corps. D'accord. Vous en avez assez d'acticiels, passez au didacticiel premium de Kobayashi et laissez-nous faire. Putain. Maintenez E pour accéder à la roue d'armes. D'accord. Maintenez A pour les soins. Pfff, avec des cyberpoints, dessouder des méchants n'a jamais été aussi fun. Quand vous abattez un ennemi, atteignez un objectif ou volez des objets pour emporter des cyberpoints. Montez en niveau pour acquérir de nouvelles compétences et devenir un cybercommando encore plus mortel grâce aux cyberpoints. Vous ennuyez, appuyez sur Entrée pour faire disparaître ces écrans condescendants. Voilà. Je déteste ces saloperies de didacticiel. Et celui-là est nul. J'ai bien envie de le chabarder, lui. Headshot. Headshot. Après une élimination à la lame, vous pouvez lancer un shuriken sur un autre ennemi. Putain. D'accord, bon là je vais me faire des pop, je pense. Un conseil, désactivez les alarmes pour éviter l'arrivée de renforts ennemis. Quand la jauge se remplit, l'ennemi peut vous voir. Ne laissez aucun ennemi en vie. Oh non, les renforts. Bah, c'est vrai qu'il faut que je reprenne mes... D'accord. Faut que je reprenne mes habitudes, moi. Super pressé, c'est horrible. Oh, il est stylé le rechargement. Attends, par contre, je me fais des pops, c'est assez horrible, quoi. C'est une bonne idée ce que je fais là. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Il est où l'autre qui me voit là? Ah, là-bas. Voilà. Attends, je sais pas si je le vois vraiment à travers. C'est stylé quand on marche. Putain, il est où l'autre qui me voit là? Mais il est où? Comment j'ai fait? Mais non, pas ça. Comment j'ai fait pour changer d'arme? Voilà, comme ça. Voilà, je l'ai eu. À plus. Il fait... Ça, j'adore. Ok, allez, on va chabarder un peu tout le monde, là. Tac. On continue. Où est ma vie, en fait? D'accord, en bas à gauche, très bien. Pas attention à moi. Si je fais ça, je me soigne. Ok, je viens d'en niquer une pour un truc, mais c'est pas grave. Alors. Putain. Oh, il a failli me voir. Je sais pas où il est, mais il a failli me voir. Alors, du coup, c'est pas vraiment facile pour se repérer, en tout cas pas au début. C'est vrai qu'il faut prendre le truc en main ou plutôt à l'œil. Oh, putain, je suis. Faut vraiment viser la tête, sinon c'est mort. Hein. Il est où l'autre? Bon, moi je prends le temps de chabarder, même si je suis repéré. Oh là 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 là. Essayer de monter là-haut, non, on peut pas. Ah, si, ça y est. Je vais me mettre en hauteur pour essayer de les.
les avoir un peu mieux. Ok, d'accord. On a un sniper là-bas, qui m'a spoté d'ailleurs. Oh! Allez, cours, 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 cours! Oh non! Non! Bon, ça va, j'ai pas eu de dégâts. Le nanomède, et papa a besoin de son médicament. Putain, c'est chaud. Tiens-toi. Avec les renforts, j'ai vraiment pas eu de bol, quoi. Oh putain! Oh! Une petite lame rose là. Te border dans ton lit de mort quand tu seras enseveli sous 2 mètres de merde. Allez. Ah, toujours le problème là. Ouais, toujours le problème de Far Cry. La hitbox des morts, ça c'est. Putain, qui c'est qui m'a vu encore là? Où es-tu? Il est où le mec là que j'ai vu? Ah, il y a le sniper qui est là-bas. Faut que j'arrive à le contourner. Ah, je vais juste me concentrer un tout petit peu quand même pour. En fait, je sais même pas où faut que j'aille là. Faut que je fasse quoi en fait là? Concrètement. Que je voulais faire, mais je voulais voir la mission. Éliminer tous les super soldats, d'accord, très bien. Bon, tout ça. J'ai un pompe. Attends. Me dis pas que j'ai un sniper. Oh, c'est sérieux là. Ok, j'avais même pas encore fait le tour de mes armes. Alors, le sniper là-bas, il est derrière le machin. Ok. Par contre. En pleine tête. Ouais, sauf que là je suis spotted. Il va se déplacer. Je vais essayer de le défoncer gentiment. Oh! Soigne-toi. Putain, j'ai les doigts complètement défoncés. Genre, il m'a vu d'où lui là. Carrément, je salue moi quoi. Énorme. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Attends. Je sors l'artillerie lourde, bouge pas mon gamin. Voilà. A plus. J'adore. Allez, on avance. Ok, l'objectif est là-bas. Oh, j'ai fait me faire. Je vais essayer d'en spotter pas mal. Je crois que c'est le 3, voilà, c'est celui-là. Vas-y, viens là, mon coco. Voilà. Briar Patch, pourquoi ne pas nous avoir dit que c'était l'Omega Force? C'était l'Omega Force. Sloan a retourné sa veste et je veux savoir pourquoi. Entrez dans le bunker et téléchargez les données de l'unité centrale. Je vais d'abord tout prendre parce que. Rex. C'est Sloan. Le colonel Aix Sloan. J'ai aussi servi sous ses ordres, Spider. Impossible qu'il nous ait trahis. Pas lui. T'es prêt à lui mettre une baston sur la tête? On va déjà trouver cette putain d'unité centrale et voir ce qui se trame. Est-ce que vous êtes prêts? Fais-moi les mains, hein. Éliminez les soldats de l'Omega Force tout en protégeant Spider. Oh non, j'aime pas ça. Surtout quand je suis pas chaud du tout comme ça, là. Attends, parce qu'en plus...
Ouais, non, là j'ai fail. Ok, c'est bien l'Omega Force. Ça, c'est vraiment. C'est soit dans la tête, c'est soit un milliard de balles pour les tuer, quoi. Attends, non, il y a les spiders qui vont arriver. Non! Oh, y'a papa ours là! Ah, la bombe, la bombe, la bombe! Même pas? Ok, je l'ai eu, je sais pas comment. Vas-y, prends, 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 prends. Grenade, des munitions. Ah, mais l'autre il est parti, l'autre là, ça y est, alors lui. Haute vitesse, c'était Rodin 8000. Ces trucs ont plombé tous les. Allez, pirate le système. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Vas-y, moi je suis là, wesh. Toi, tu prends cette passerelle. Pote leur le cul à tous ces sales fils de pute. Je prends la passerelle là-haut, moi. Ok, ça marche. Pour vous placer discrètement au-dessus de l'ennemi avant de vous jeter sur lui. Je l'ai spoté. Il faut que je le tue maintenant ou pas? Vas-y, t'inquiète. Edin. Là, ça arrive en bas, ça arrive là. Toi, c'est fini. Toi, ça va être fini bientôt. Toi. Putain. Viser leurs produits inflammables, ok. Ils sont où? Vas-y, sors, wesh. Vas-y, vas-y, montre-moi ta tête. Attends, bouge pas, bouge pas. Il est où lui? Il est en bas? Ah non, il est là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Allez, dépêche-toi! Ah, c'est mon pote ça. Il est où? Il est où? Il est où? Le lieutenant Brown a besoin d'aide. Putain, putain. Merde! Si, mets-toi à couvert là, mets-toi à couvert là! Bon, il est mort, c'est sûr. Mais je tire dans la gueule! Eh, vas-y, qu'est-ce qu'il y a toi? Tu l'as joué avec moi, tu veux te la donner, c'est ça? Voilà! Il a fait un fuck! Oh putain, épique! Épique! Vas-y, mais il a plus de vie lui, ouais. On va le soigner un peu là parce que. Putain, ça va être loli le lâche. Oh, c'est une lance rouge orbitale. Je croyais que toutes ces saloperies avaient été déclassées. Autant que je sache, on les utilisait il y a pas si longtemps pour tester la dispersion de charge dans le désert canadien. Quel genre de charge? Je crois que je préfère pas savoir. Putain, non, il se prend un éclat de balle, il est fini. Objectif quoi le mec. Terminé. Unité centrale. Non, ça va. Ouf. Bon alors, désolé, le gameplay, bon, se s'échauffe un petit peu, mais c'est pas encore ça. On voit la magie noire, lieutenant. Eh, t'en prends pas à ton frère parce qu'il est doué. Alerte, accès non autorisé détecté, bunker Kimball. Entrée ou autre. Vous avez 20 secondes pour valider. Spider. Merde, je sais. Je sais. Ah ouais, elles sont rapides les secondes. Contre-mesure de sécurité enclenchée. Et merde. Du diagnostic préliminaire.
lancera des protocoles de décapitation. L'hélidrone a détecté plusieurs signatures thermiques en approche. Il se met en position, lieutenant. Je te couvre. D'intérêt ! Objectif, protéger le lieutenant Brown pendant qu'il pirate l'unité centrale. Je dois me brancher de force au système. Ah, j'aime pas ça. Mon CPU cérébral. Et c'est surtout de rester en vie. T'as une femme et un gosse qui t'attendent chez toi. Ah, la punchline. Si je me plante, tu leur diras. Tu leur diras que je suis mort pour mon pays. Tu leur diras toi-même. Tu m'entends? Ok. Distribution de pain. Tu veux du pain? Ok, mon Spider là, Spider. Voilà. J'ai infiltré la première couche de micro. Il est là, il bouge pas et ils sont où les autres là? Ok. Je pirate le lecteur ROM. Encore une minute. Pirate le lecteur ROM. Putain. Je suis pas précis. Je suis en fort rame. Donne-moi un peu de temps. J'inverse la polarité du code. Ah, j'ai bientôt plus de munitions, dépêche-toi hein. Putain, ils sont où là? Oh putain, là. Je reprogramme l'interface du CPU. Vite. Laisse faire l'artiste, mon frère. Non, pas lui. Oh non. Putain, 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 j'aime pas ça! Genre, il est pas mort. Ah, si, il est mort. Je recompile la carte mère! Encore quelques secondes! Et il est mort. Ah, je transpire, mon ami. Je ne suis pas précis, je transpire. J'ai réussi, ouais. Objectif manqué. Ah. Quoi? Spider, du nerf, lieutenant. Qu'est-ce que je suis censé faire? Merde. Hélidrone 7-3, demande évacuation immédiate. Le lieutenant Brown est touché. Hélidrone 7-3, en approche. Rex ! Trop d'informations ! Il a corrompu ! Du sang ! Du sang ! Début du compte à rebours de la frappe de décapitation. Oh merde. Dis-moi ce que je dois faire. Le lancement du missile est autonome. Trouve le panneau de contrôle. Quoi? Commande. T'allumes sur le panneau de contrôle. Explose la cage cérébrale. Rex, explose la... Oh merde, mon pote. HUD, localise-moi le panneau de contrôle du missile. 5 sur 5. Objectif désigné. Objectif. Désactiver les commandes d'allumage secondaire. Ouais, c'est parti. Missile en position. Oh, puis comme par hasard, il y a un milliard de personnes, voilà, c'est ça. De quoi? Putain. Comment je fais pour y aller là? H-90 secondes avant le début du lancement. Mémoire corrompue dans le secteur Tango L. Ah, faut que j'aille là. Vas-y, dégage. Laisse-moi passer.
Non! Et c'est bon. Il fallait que je rush! Allez, tu y es presque! Oh, beau gosse! Énorme. L'allumage désactivé. Compte à rebours annulé. Compte à rebours annulé. Compte à rebours annulé. Oh merde. Ça sent le caca. Redémarrage HUD. Patientez. Ils sont de retour, colonel. Merci, darling. C'est docteur, darling. Docteur Elisabeth Veronica, darling. Lol. Colonel Sloan, c'est nous. Le sergent Rex Power Colt. Et le lieutenant T.T. Brown. Bien sûr. Et c'est vous qu'on envoie pour me tuer. Alors ça, c'est ce que j'appelle un bel exemple de connerie. Darling, vous avez devant vous deux authentiques type 4. Le top du top, à l'époque. Je sais ce qui est arrivé à votre visage. Qu'est-ce qu'il a le visage? Le prix de la puissance, les gars. C'est une belle petite salope exigeante. Mais elle déménage pas mal. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? On raconte que vous avez franchi la ligne. Ça doit être une erreur. Depuis l'atomisation du Canada et l'invasion de l'Australie, le monde est sans dessus-dessous. Nous avons perdu pied, messieurs. Et aujourd'hui, le gouvernement, notre gouvernement, parle de réconciliation avec la menace communiste. Mais j'ai les moyens de rectifier le tir. Rex, il est dingue, mec. Quels sont vos ordres à mon sujet et à celui de l'Omega Force, hein? Que sait Washington? Je regrette, monsieur. Je vous respecte, mais je ne peux pas. Alors t'as gobé toute leur connerie. C'est regrettable. T'as vraiment téléchargé mon unité centrale dans ton cortex? Allez vous faire foutre! Je sais ce que vous préparez. Les types 4 étaient futés, mais trop autonomes. Oh bordel! Je sens que ça va piquer. Bordel de merde! Oh oui! Tout le monde peut être tenu au courant. Ou finir déconnecté. Aïe! Oula. Cette mort. Les types 4 ont reçu tout mon savoir en matière de combat, non? J'ai une idée. On va voir ce que tu vaux sur le terrain, petit. Bim! Une petite calotte derrière les oreilles, comme on aime. Meilleur patch, à vous. Sergent Rex Colt. Qui êtes-vous? Docteur Elisabeth Darnay. Je me suis branché à votre communicateur en vous examinant. Sloan vous a coupé de prière patch. C'était quoi ce bordel? Je vais vous envoyer les coordonnées d'un endroit sûr. Et pourquoi je devrais vous croire? Parce que je hais Sloan. Ok, Doc, quel est le plan? Baissez-vous et ne faites pas de bruit. Les dragons de sang ont une mauvaise vue, mais ils raffolent des humains et des cyborgs. C'est sympa! Allô? Merde. Scanner de l'intérieur de la grotte. Sortie trouvée. Objectif, sortez. Sortez. Ok, les amis, bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu, alors c'est vrai.
Côté gameplay personnel, je galère un petit peu parce que faut que je prenne en main les armes, faut que je reprenne en main le Far Cry 3 parce que ça fait quand même pas mal de mois que j'y ai pas joué. Mais j'aime beaucoup l'ambiance, ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup le fait de les années 80 et tout avec les trucs, les néons, toutes les couleurs un petit peu flashy, les cinématiques, pixel art et tout, c'est vraiment pas mal, je pense que ça peut être vraiment fun à jouer. Donc je vous dis moi à très bientôt pour un nouvel épisode, prenez soin de vous, jouez bien. Ciao tout le monde.